Nous sommes avec Étienne Ducot, ailier de cette équipe du Racing Club Narbonnais. Étienne, quand on voit, on en parlait tout à l'heure avec ton coéquipier Clément Bitz, c'est rude. Mais alors là, aujourd'hui, c'était très costaud en face. Ouais, c'était très 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 rude. En première mi-temps, on s'est fait malmener, on a joué un peu à l'envers. Et après, au retour des vestiaires, on a essayé de mettre notre jeu en place, ça s'est un peu mieux passé. On a réussi à marquer, l'interception de Saïa nous fait du bien, qui nous permet de prendre vraiment de l'avance. Et même jusqu'à la fin, on a vu que c'était encore très très, très dur. Et ils reviennent bien au score. Et on gagne, c'est principal quand même. On va te reposer un petit peu la question qu'on posait tout à l'heure à Clément. Il y a toujours ces secondes de mi-temps, vos entames, ces milieux de seconde mi-temps où vous prenez la submultipliée et vous passez, on va dire, à la vitesse supérieure et vous faites craquer les défenses adverses. Ouais, c'est vrai. Après, on a quand même été bien préparé par Romain et on arrive à faire un match correct sur les 80 minutes avec l'intensité, etc. Mais en première mi-temps, il faut quand même qu'on soit meilleur. Là, l'entame, c'est pas possible. On s'est fait bouger et on perd à la mi-temps. Mais on revient bien et c'est le principal. Je finirai par deux petites questions. À titre personnel, bon, c'est un petit peu la palisse, mais on sent vraiment que tu prends du plaisir là, cette équipe Narbonne. Ouais, vraiment, on prend du plaisir, on joue derrière. Bon, là, on a marqué trois essais de trois quarts. Ça fait plaisir et vraiment, ouais, c'est top, on se régale et que ça continue. Et à chaud, est-ce que tu as peut-être des nouvelles de Saïa qui est sorti en boîte un petit peu à la fin? Est-ce que tu as des news peut-être à nous apporter? Non, on n'a rien pour l'instant, il a mal, mais on va voir. Lundi, il va passer des examens. On espère que c'est pas grand chose et qu'il soit avec nous pour les prochains matchs, puisqu'il est quand même important. Bon, on te remercie, Étienne, à très vite. Merci à vous. Merci. Ciao.